Appareil bon marché, coque dorée, lecteur d'empreintes digitales, toutes les rumeurs disaient donc vrai concernant les nouveaux iPhones présentés hier par Apple. C'est à San Francisco, en Californie, que la marque à la pomme a tout d'abord dévoilé son tout premier appareil low cost, l'iPhone 5C. Un appareil présenté comme fun et coloré, avec une capacité de 16 ou 32 gigas qui sera vendu à partir de 99$ seulement aux États-Unis. Idéal donc pour les plus petites économies. En revanche, pour les utilisateurs les plus excentriques, il faudra sans doute tourner vers l'iPhone 5S, nouveau fleuron de la gamme Apple qui sera distribué entre autres avec une coque couleur or, un détail un peu bling bling auquel s'ajoute toute une série de nouveautés, puce 64 bits, objectif de 8 mégapixels, 250 heures de veille et donc ce fameux lecteur d'empreintes digitales. Début des précommandes pour l'iPhone 5C vendredi 13 septembre. Pour le 5S, il faudra patienter une semaine supplémentaire jusqu'au vendredi 20.